Sylvain Granger, j'ai 37 ans, je suis né à Bourgoin-Jallieu. Je suis ingénieur environnemental de métier, élu depuis 2014 et maire de Brancq depuis 2020. J'aime particulièrement la ruralité et le cadre de vie qu'elle offre au quotidien. La communauté de communes est selon moi la bonne échelle pour agir efficacement sur les services à la population, mais également sur la thématique de la gestion de l'eau. Notre territoire est riche d'un patrimoine naturel remarquable à travers la présence d'une diversité de cours d'eau, de nappes, de zones humides. Un ensemble de milieux aquatiques liés entre eux et à préserver que les balcons du Dauphiné sont en mesure aujourd'hui de protéger durablement à travers l'intégralité de ses compétences. En ma qualité de vice-président des cycles de l'eau, je suis chargé de mettre en place et porter des projets en lien avec deux d'entre elles. Tout d'abord l'eau potable et l'assainissement, qu'on appelle plus communément le petit cycle de l'eau et qui constitue un service direct à la population que je souhaite renforcer en termes de qualité. La distribution au robinet d'une ressource saine et le traitement sans faille des eaux usées avant le rejet au milieu naturel sont des objectifs clairs et affichés pour ce mandat. À l'image de cette nouvelle lagune de filtre à planter de roseaux à Octevose où nous nous trouvons actuellement. La seconde compétence est la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations dites GEMAPI, appelées aussi grand cycle de l'eau. Elle permet d'avoir une politique ambitieuse et cohérente de préservation des rivières. Le prélèvement d'une taxe spécifique et les financements extérieurs donnent au balcon du Dauphiné les moyens de préserver durablement le grand cycle de l'eau à travers notamment des projets de renaturation et d'entretien des milieux aquatiques. S'adapter au changement climatique, protéger la ressource en eau, faire de cette richesse patrimoniale une opportunité de développement économique et de partage d'un bien commun, finalement inscrire l'eau au centre du projet de territoire, c'est répondre aux enjeux de demain et placer les balcons du Dauphiné comme un interlocuteur privilégié de l'amélioration du cadre de vie de tous nos habitants.